Allô, oui, bonjour. Oui. À qui ai-je l'honneur ? À Anita. Anita. Est-ce que vous auriez une date de naissance, s'il vous plaît ? Le 21/10/1947. D'accord. Et de quelle région vous êtes ? Villers-la-Ville. D'accord. Et quelle est votre question, alors ? Ce serait plutôt d'ordre général. D'accord. Et surtout, savoir si je vais encore avoir autant d'ennuis que l'année passée et encore cette année, quoi. D'accord, alors on va regarder ça, alors. Alors, des ennuis, oui et non, hein, je dirais plutôt des tracas, des petits soucis, des tracas, des petites inquiétudes, des petits problèmes, d'accord ? Je ne vois pas de gros problèmes majeurs, pas de soucis qui ne soient pas résolvables, ok ? On le voit, c'est des fois vous êtes un petit peu seul par rapport à certaines choses. Disons que très souvent on voit que vous ne recevez pas l'aide que vous pourriez avoir. Donc c'est vrai que souvent vous allez devoir vous débrouiller seul, d'accord ? Oui. On voit que parfois c'est pas évident, c'est pas... Ça peut être, on va dire, compliqué pour une personne âgée, d'accord ? Oui. Est-ce que c'est insurmontable ? Non. Est-ce que ce sont de gros problèmes qui risquent de vous épuiser ? Non plus, d'accord ? C'est juste... C'est des petits problèmes, des petits ennuis, des petits problèmes. Et c'est vrai que, bout à bout, au fil du temps, parfois, ça peut fatiguer. Ça, je peux comprendre. Des fois, ça peut épuiser, ça peut un peu fatiguer. Mais il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. D'accord ? Il ne faut absolument pas s'inquiéter. Il faut vraiment prendre un jour, un jour après l'autre, d'accord ? Et se dire, bon, bah, voilà, de toute façon, la vie apporte son lot, tous les jours apportent son lot de bonheur, de problèmes, de choses au quotidien. Il ne faut pas... Faut pas commencer à s'inquiéter. C'est que des petits problèmes qui, bon, malheureusement, bah, des fois, c'est une tache brune, on va dire, dans la journée. Mais... Regardons plutôt l'autre côté, d'accord ? Il y a aussi tant de belles choses que vous arrivez à faire et à voir aujourd'hui, d'accord ? Donc je vous dirais simplement... J'aimerais retrouver ma vitalité d'avant. Ah oui, mais bon... Et je suis toujours très angoissée, donc... Ça, malheureusement, à part, je vous dirais, aller faire des tours en forêt, retourner en contact avec la nature, elle, peut vous aider... Mais hormis ça, malheureusement, on voit beaucoup qu'il y a un grand enfermement, mais ça, c'est à vous de sortir. Vous devez absolument sortir. Et la nature est l'idéal vraiment pour pouvoir vous aider. Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Retourner en contact. Pour l'instant, c'est un petit peu vous qui avez coupé un petit peu. Vous. La vie vous a un petit peu coupé. J'ai coupé beaucoup de choses et que je voudrais aller que ça revienne, parce que c'est pas ma nature que j'ai maintenant, quoi. C'est pas ma nature que j'avais avant l'année passée, quoi. Mais tout à fait, donc il va falloir, entre guillemets, c'est un peu comme une réadaptation, hein, tout simplement, il va falloir revenir, et par expérience, je vous dirais que la nature est le meilleur des moyens. Repartir en contact, c'est revivre, re-respirer. Donc en plus, il faut retourner vraiment vers la forêt, vers la forêt, c'est vrai que moi je préfère la forêt, parce qu'elle a vraiment un contact très fort, un contact avec les arbres et tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire repartir. Et à partir de ce moment-là, donc, repartir sur une vie, je dirais pas civilisée, mais plus une vie sociale, une vie harmonieuse. D'accord ? Parce qu'on voit vraiment que le mot harmonie est un mot qui, aujourd'hui, dans votre vie, est absent.
Et vous avez besoin de le retrouver. Oui, on l'entend. On l'entend, il manque aujourd'hui ce mot-là. Il est absent de votre vie aujourd'hui. Il faut absolument le retrouver. Et c'est le meilleur moyen pour recommencer, c'est la nature. Et vous allez voir, au bout de quelques mois, les choses vont aller beaucoup mieux. D'accord ? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.